Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons illustrer comment modifier l'apparence d'un composant, en particulier comment définir le dessin ou sa représentation à l'écran. Donc, nous sommes partis d'un composant qui personnalisé, construit par extension simple d'un JPanel. Ceci nous fournissait effectivement un nouveau composant, mais qui n'avait pas d'apparence particulière, puisque JPanel ne définit pas d'apparence particulière, puisque habituellement le JPanel sert de panneau d'affichage et est censé contenir d'autres composants à afficher, de les répartir sur l'espace qui lui est réservé. Donc on va dégrader un JPanel, ce qu'on a déjà fait, de telle sorte simplement qu'il affiche. Il s'affiche d'une certaine couleur. Alors cela se produit par l'appel à une méthode particulière des composants, qui est la méthode paint, qui est une méthode qui ne renvoie rien et qui reçoit en paramètre un graphics, un objet instance de la classe graphics. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette méthode paint n'est jamais appelée explicitement. En particulier, on ne sait pas fabriquer de graphics soi-même. On peut extraire éventuellement des graphics d'objets existants, ce qui est tout à fait possible, même si ce n'est pas toujours conseillé, mais on verra certains usages, en particulier dans le cadre des images plus tard. Et donc, il est impossible de fabriquer, a priori, ou quasi impossible, de fabriquer un objet graphique soi-même. Ce qui signifie que cette méthode n'est jamais appelée explicitement par un code utilisateur, mais toujours de façon indirecte. Cette méthode est en fait appelée dans des contextes très particuliers, et elle est appelée essentiellement quand l'interface graphique juge opportun d'obtenir le dessin de l'objet. Puisqu'il y a bien des moments où il va falloir représenter l'objet qu'on souhaite, que l'application souhaite, sur l'écran, mais que ce n'est jamais l'application qui contrôle effectivement le moment où ces objets vont apparaître. C'est le contexte d'exécution qui en décide. En particulier, ce n'est pas une application elle-même, ou rarement une application elle-même, ou de façon très exceptionnelle, qu'une application elle-même décide si la fenêtre doit passer en avant-plan ou en arrière-plan. C'est l'utilisateur qui, en cliquant sur certains objets particuliers de la décoration des fenêtres, les fait passer en avant ou en arrière-plan. Et dans ce cas, on comprend bien que c'est l'interface graphique qui décide, c'est l'utilisateur qui a décidé quand l'objet doit être dessiné. Et donc il va solliciter l'application, donc autrement dit, par exemple, quand je clique sur ma fenêtre Emacs, c'est l'environnement graphique, le système graphique, qui va interroger mon application pour lui dire maintenant j'ai besoin de ton dessin. Et comment ceci se produit dans Swing ou dans Java? Le modèle est simplement que quand l'interface graphique souhaite obtenir le dessin, elle va fabriquer un objet graphics et puis elle va appeler la méthode paint des différents objets à afficher. Donc ça, on le connaît par l'intermédiaire des JFrames qui sont disponibles, des fenêtres qui sont disponibles et qui ont été exposées à la vue. Et comme les JFrames contiennent une hiérarchie de composants, on va demander à tous les composants, et dans un ordre adéquat, de s'afficher. Donc chacun d'entre eux va être interrogé alternativement par appel à leur propre méthode paint. Donc dans un peu métrant, pour bien montrer ça, on va simplement afficher ce qui normalement on peut afficher sur la console, ce qui normalement ne doit pas être réalisé dans le cas d'un contexte, enfin dans une application avec un contexte graphique, puisque normalement on n'a pas de console ou elles ne sont pas nécessairement lancées depuis une console. Donc on va juste afficher ce petit message pour voir effectivement que il y a différents moments auxquels cette méthode va être appelée. Alors pour faire en sorte aussi que cette méthode se comporte correctement, on va en profiter pour appeler la méthode paint de la superclasse pour éviter que ce composant se comporte différemment de ce qu'il avait été auparavant. Donc on va compiler ce code.
Et puis on va exécuter. Et on constatera qu'effectivement, par exemple, si nous n'avons jamais nous-mêmes explicitement demandé à afficher quoi que ce soit, en réalité, nous l'avons fait de façon indirecte, puisque nous avons demandé à rendre visible ce composant, et qu'à un certain moment, l'interface a décidé effectivement qu'il pouvait être visible, et donc, il a fallu interroger ce composant pour connaître effectivement son dessin. Et ceci s'est produit à travers l'appel de sa méthode paint. Donc, il y a différents moments auxquels cette méthode peut être appelée. Cela dépend essentiellement de l'interface graphique, mais par exemple, on constate que quand on l'a iconifié, la méthode paint a été appelée. Donc, quand je vais la déconifier, il n'est pas impossible, et c'est effectivement ce qu'on voit, que la méthode paint soit appelée. Et par exemple, on s'aperçoit même qu'elle a été appelée plusieurs fois. Alors, pour illustrer un petit peu ce qu'on peut faire dans la méthode paint, il faut juste prendre conscience de ce que c'est que cette méthode paint, et surtout cet objet graphique. L'objet graphique joue en fait le rôle à la fois de la feuille de papier, c'est-à-dire que c'est là-dedans qu'on va pouvoir dessiner. C'est à la fois l'objet qui contient l'espace sur lequel on va dessiner, mais c'est aussi à la fois le crayon qu'on va utiliser, c'est-à-dire la couleur, et puis le type de tracé qu'on va pouvoir utiliser. Alors, sans regarder trop dans les détails ce qu'on peut faire avec les objets graphiques, de base, ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, c'est modifier la couleur du graphique. Donc ça permet de modifier. C'est comme si j'avais un stylo à plusieurs mines ou un crayon à plusieurs mines. Je choisis la couleur qui m'intéresse. Alors, par exemple, on va ici utiliser la couleur rouge pour le graphique. Donc ça ne fait rien d'autre que positionner la mine rouge sur le crayon associé au graphique. Donc désormais, à partir de cet instant, l'ensemble des dessins vont se produire, vont utiliser cette couleur de crayon. Donc, quel dessin on peut faire? Il y a des tas de fonctions qu'on peut utiliser, mais la première qu'on va faire, c'est remplir un rectangle de taille 50 par 50, par exemple. Donc, position 0, 0, et puis largeur, hauteur 50 et 50. Sachant que le système de coordonnées graphiques de Java, c'est le coin 0, 0, en haut à gauche, l'axe des X partant vers la droite et l'axe des Y descendant vers le bas. Si on compile ça, cette fois, le dessin de mon composant contiendra un rectangle, un carré rouge, pardon, coincé en haut à gauche et de taille 50 par 50. L'autre, donc ça, c'est à chaque fois que la méthode paint sera appelée, dans tous les contextes, eh bien, on réaffichera éventuellement ce petit rectangle à chaque fois. Alors, si l'on veut connaître si l'on veut récupérer plutôt la taille, si on veut faire en sorte que l'intégralité du composant soit dessinée en rouge, il faudrait pour ça récupérer la taille du composant. Donc pour cela, on va d'abord retrouver dans les composants, donc par exemple dans panel, quelle est la méthode qui permet de retrouver la taille d'un composant. Et parmi les nombreuses méthodes, on doit pouvoir retrouver celle qui, voici, c'est une méthode héritée. Héritée de quoi? Depuis la classe component. C'est une méthode qui permet de retrouver les dimensions d'un objet. Hein. Donc les dimensions en termes de largeur et hauteur, sachant que le point 0,0 est toujours en haut à gauche. Donc pour bien faire, si je voulais colorier l'intégralité du composant, eh bien, il faudrait que je récupère sa dimension, quelle est la largeur et la hauteur du rectangle que nous souhaitons dessiner. Donc après compilation et exécution, on va pouvoir observer que le composant est intégralement rempli de rouge à chaque instant.